Chapitre 11. La Sainte Messe et l'Holocauste par excellence. Il y avait, dans l'ancienne loi, quatre sortes de sacrifices. L'Holocauste, ou sacrifice de louange, pour reconnaître la souveraine majesté de Dieu et le remercier de ses bienfaits. Le sacrifice impétratoire, pour implorer son secours. Le sacrifice expiatoire, pour la rémission du péché. Et enfin le sacrifice propitiatoire, pour celle de la peine. Chacun de ces sacrifices avait son rite particulier. Avant la venue de Jésus-Christ, des holocaustes innombrables couvraient sur les autels du Seigneur, et au témoignage de l'Esprit-Saint, il lui était agréable. Les Juifs devaient, suivant l'ordre de Moïse, offrir chaque jour deux agneaux d'un an, un le matin et un le soir, mais le jour du sabbat, le nombre était doublé. À chaque lune nouvelle, ils immolaient sept agneaux, deux veaux et un bélier. Même règle pour les sept jours qui suivaient la Pâque et pour toute l'octave de la Pentecôte. À la fête des tabernacles, on était tenu d'offrir, durant huit jours consécutifs, 14 agneaux, 13 veaux, deux béliers et un bouc. Indépendamment de ces offrandes officielles, chacun présentait, selon sa piété, des bœufs, des veaux, des brebis, des agneaux, des béliers, des colombes, du pain, du vin, de l'encens, du sel, des gâteaux à l'huile, et pour chacun, et pour chaque don, le cérémonial était différent. Je cite ces détails, afin de vous faire remarquer combien étaient dispensieux, pénibles et entourés de prescriptions minutieuses les sacrifices imposés jadis aux patriarches et aux prêtres juifs, encore qu'ils rendissent moins d'honneur à Dieu et méritassent une moindre récompense. Cependant, ils ont plu au Seigneur, parce qu'ils étaient l'annonce symbolique du sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Nouvel holocauste, au contraire, est unique, peu coûteux, facile à accomplir, malgré cela infiniment agréable à la majesté divine, source de joie pour le ciel, de salut pour le monde, de consolation pour le purgatoire. Je suppose qu'un homme ait immolé de sa propre main toutes les victimes sacrifiées depuis le commencement du monde jusqu'à notre Seigneur. Je suppose qu'il les ait lui-même brûlées et offertes à Dieu. N'est-il pas vrai qu'il aurait rendu au Très-Haut un grand hommage et lui aurait causé une satisfaction immense? Eh bien, ce culte ne serait rien en comparaison de celui que rend à la Divine Majesté un pauvre prêtre qui dit la messe, un simple laïc qui l'a fait offrir ou qui y assiste. Pour vous en convaincre, je vous expliquerai en quoi consiste notre holocauste. Le sacrifice est destiné à Dieu seul. Une chose visible y est offerte et consacrée par un ministre dûment établi pour reconnaître la souveraineté du Seigneur sur toutes les créatures. Citation. Par là, dit saint Thomas, nous confessons que Dieu est l'auteur de toute créature, l'objet suprême de la béatitude, le maître absolu de toutes choses, et nous lui offrons, comme témoignage de notre soumission, un sacrifice visible proportionné à sa haute majesté. Fin de citation. Tel est, en peu de mots, le sens de l'Holocauste. Ceux qui n'ont pas fait de ces matières une étude spéciale trouveront peut-être ma définition obscure, l'explication suivante la rendra claire. Dieu s'est réservé l'Holocauste pour lui seul, comme nous l'apprend Isaïe. Citation. Je suis le Maître, dit le Seigneur, tel est mon nom, et je n'abandonnerai ma gloire à personne. Fin de citation. Ce sacrifice ne peut donc, sans une abominable idolâtrie, être offert à un saint, à un ange, ni même à la Mère de Dieu. Il nous est permis de louer les saints, de les honorer, de les invoquer en nous agenouillant devant eux, de brûler de l'encens, d'allumer des cierges et des lampes en leur honneur et de leur rendre un culte intérieur et extérieur. Mais il nous est interdit de faire davantage. Le Concile de Trente est formel à ce sujet. Citation du Concile. Bien que l'Église ait coutume de dire la Sainte Messe en leur honneur et en mémoire des saints, elle n'enseigne cependant pas que ce soit à eux que le sacrifice est offert, mais à Dieu seul qui les a couronnés. Fin de citation. Aussi le prêtre ne dit pas « Ô Saint-Pierre, ô Saint-Paul, je vous offre la Sainte Messe ». Que fait l'Église? Elle rend grâce à Dieu pour les victoires des saints, implore leur secours, afin qu'ils daignent intercéder pour nous dans le ciel, pendant que nous célébrons leur mémoire sur la terre. Osera-t-on dire après cela que l'Église prescrit d'offrir la messe aux saints?
Expliquons maintenant la nature même de l'Holocauste et mettons son excellence en lumière. Le cérémonial juif exigeait que toute la chair de la victime fût consumée par le feu, ce qui n'avait pas lieu pour les autres sacrifices. Dans ceux-ci, une partie seulement était brûlée, le reste servait aux prêtres et à ceux qui l'avaient offerte. Dans l'Holocauste, tout était livré aux flammes pour affirmer que tout appartient à Dieu et doit être consacré à son culte. Dieu pourrait même, en stricte justice, exiger que l'homme lui sacrifiât sa vie, comme il l'ordonna à Abraham de lui immoler son fils Isaac, bien qu'il se soit contenté d'ailleurs de la prompte obéissance du patriarche. Dans l'ancienne loi, il avait prescrit de lui offrir tous les premiers-nés. « Ils seront miens », avait-il dit. Il permettait néanmoins aux mères de les racheter au jour de leur présentation au temple. Le Fils unique de Dieu, quoique né d'une femme mortelle, ne devait pas, comme les autres, être porté au temple. Il le voulut cependant, et Marie le racheta, mais le Seigneur ne se contentant pas de cette compensation. La pauvre mère le vit bien, et à sa grande douleur, quand Jésus fut immolé sur la croix pour nous affranchir, par cette mort précieuse, de la nécessité de mourir, citation, Jésus-Christ est mort pour tous, dit saint Paul, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Fin de citation. Or, la vie du Sauveur étant plus noble que celle de tous les hommes, sa mort fut aussi la plus précieuse que le serait celle de tous les hommes. Par conséquent, à la messe, où se renouvelle cette immolation, le Père reçoit plus d'honneur que si le genre humain tout entier lui était sacrifié. Écoutons un auteur ascétique. Le sacrifice de la messe, dit Gervasius, est la plus excellente de toutes les œuvres de piété. Fin de citation. Là, en effet, nous reconnaissons, par l'acte même du sacrifice, plus encore que par les paroles qui l'accompagnent, que Dieu pourrait exiger de chacun de nous le sacrifice de sa vie. Dans l'Ancien Testament, l'Holocauste avait précisément cette signification. En l'accomplissant, le sacrificateur semblait dire « Me voici devant vous, ô Seigneur, comme une victime. Je le sais, vous seriez en droit d'exiger ma vie, mais dans votre miséricorde, vous vous contentez de celle de ces animaux. C'est à la faveur de leur mort que je parlais devant votre visage, que je parais devant votre visage, et dans leur vie, je vous offre la mienne. » Citation. À la Sainte Messe, écrit Sanchez, nous rendons à Dieu un hommage tel que le monde entier ne saurait lui en rendre un plus grand. Car en lui offrant quelque chose de si incomparablement supérieur au sang des animaux, à savoir la vie très auguste et le sang très précieux de son Fils, nous affirmons l'infinie grandeur de sa majesté. Nous attestons qu'elle est digne du plus grand des sacrifices. Fin de citation. La messe, ajoute Marchand, est une ambassade quotidienne envoyée à Dieu pour mettre à ses pieds un inestimable présent et reconnaître sa souveraineté. La vie et la mort du Sauveur lui sont offertes chaque jour comme à l'auteur de la vie et de la mort. C'est le tribut quotidien que lui paye l'Église militante, avec la coopération de l'Église triomphante. C'est l'hommage par lequel sont honorées de toute créature sa souveraine puissance, sa sagesse et sa bonté. Que peut-il y avoir de plus agréable à son cœur que de voir le ciel et la terre reconnaître son pouvoir et sa grandeur infinie? Fin de citation. Il est si nécessaire de regarder la Sainte Messe comme un véritable holocauste qu'on ne saurait trop instruire le peuple sur ce point. Aussi, ajouterai-je encore quelques mots. Le ciel et la terre se prêtent à l'autel un mutuel secours pour mieux exprimer à Dieu les remerciements et les hommages qui lui sont dus. En effet, pendant que le prêtre officie, les saints anges vont porter et offrir le sacrifice. Une preuve de cette vérité nous est fournie par le trait suivant, dont nous garantissons la vérité. Un prêtre aperçut un jour autour de l'autel, au moment de la consécration, une foule d'esprits célestes adorant avec le plus profond respect. Lorsqu'il s'inclina, selon la rubrique du missel, en disant « Ô Dieu Tout-Puissant, nous vous prions humblement de commander que ces dons soient portés par les mains de votre saint ange sur votre sublime autel, en présence de votre divine majesté. » Fin de citation. Il vit un de ces esprits, plus beau que les autres, prendre l'hostie consacrée et la porter devant la majesté divine. Les cœurs angéliques se réjouissaient avec lui et toute la cour céleste ressentait une aussi grande allégresse que cette offrande
que si elle l'avait présenté elle-même. Le prêtre, les regards élevés, comme en extase, contemplait avec étonnement ce spectacle sublime. Après quelques instants, il abaissa les yeux sur le corporal pour voir si l'hostie était revenue à sa place, et l'y retrouvant, il s'émerveilla de son rapide retour. Plein de joie, il acheva la messe avec une consolation sensible et une grande ferveur. Plus tard, il raconta le fait à quelques-uns de ses confrères et les invita à en louer Dieu avec lui. Que ce récit augmente notre propre ardeur, qu'il nous rende plus attentifs aux paroles de la messe, dans laquelle la coopération des anges et des saints nous est révélée d'une façon si expressive. Cependant, le principal honneur que l'Holocauste procure au Très-Haut ne vient ni des anges ni des hommes, mais du Christ lui-même. Seul, le Christ connaît l'infinie grandeur de la majesté de son Père. Il est donc le seul à savoir ce qui est de nature à lui rendre un honneur infini, comme il est seul capable de lui offrir. Quoique les anges et les hommes puissent contribuer beaucoup à la gloire de Dieu, il y a, sous ce rapport, aucune comparaison à établir entre Jésus-Christ et eux. Si les infidèles, envahissant notre pays, nous disaient « Reniez le Christ et embrassez la loi de Mahomet, sinon vous serez brûlés vifs », nous répondrions tous ensemble « Faites ce que vous inspire le démon, mais nous resterons fidèles à Jésus-Christ et nous nous laisserons torturer et mettre à mort. » Une action si héroïque honorerait sans doute immensément le Seigneur. Eh bien, cet honneur ne serait rien à côté de celui auquel la Divine Majesté a droit et qui lui est rendu à la messe. C'est le Fils de Dieu lui-même qui s'abaisse, c'est le Fils de Dieu qui se fait aussi méprisable qu'un ver de terre, et rend hommage à son Père dans cette extrême humiliation. Oserions-nous mettre le sacrifice de notre vie en parallèle avec un tel sacrifice? Les holocaustes judaïques étaient coûteux, difficiles à accomplir. Le nôtre, au contraire, est d'une valeur inestimable et ne coûte rien. Il nous est donné gratuitement par Jésus pour être offert à la Sainte Trinité. Hélas, beaucoup ne veulent ni l'accepter ni le présenter au Seigneur. Plaignons-les, car ils se chargent d'une grande responsabilité, mais quant à nous, n'hésitons point à interrompre nos affaires, à quitter nos occupations pour y prendre part. La Sainte Messe est le plus sublime des sacrifices de louange. Ni les anges ni les hommes ne peuvent exprimer ce que Dieu. Sa sainteté et sa richesse sont infinies comme son essence. Il est la justice la plus rigoureuse, la miséricorde la plus douce, la tendresse la plus aimable, la beauté la plus ravissante. Quoique les anges et les saints l'aiment de tout leur cœur, ils tremblent devant son effrayante majesté et ils l'adorent, le visage incliné, avec le plus profond respect. Ils louent, ils bénissent de toute leur force ses perfections, sans pouvoir s'en lasser eux-mêmes, sans rassasier jamais. Cette louange, Dieu veut la recevoir parce qu'elle lui appartient. Avec la création, avant la création, il se louait éternellement lui-même dans la société de ces trois saintes personnes. Le Père louait l'intime sagesse du Fils, le Fils louait la parfaite bonté de l'Esprit-Saint. Celui-ci louait à son tour la puissance et la sagesse du Père et du Fils. Citation. Si tu veux me louer, disait le Sauveur à Sainte Meltide, unis-toi au Père qui me glorifie, unis-toi à moi qui, dans la lumière sans déclin, honore le Père et le Saint-Esprit dans tous les siècles. Unis-toi enfin au Saint-Esprit qui nous reconnaît sans cesse, mon Père et moi, comme le principe de sa bonté inaltérable. Fin de citation. C'est pour être loué que Dieu a fait le ciel et la terre, les anges et les hommes, les êtres raisonnables et ceux qui sont dépourvus de raison. Tel est le sens de ces paroles du livre des Proverbes. Citation. Le Seigneur a tout fait pour lui-même. Fin de citation. Les anges l'ont loué depuis leur création. Ils le louent encore aujourd'hui. Ils le loueront à jamais. Le soleil, la lune, les étoiles associent leurs hommages à ceux qui, de ces célestes intelligences, comme le Saint-Esprit nous l'assure par la bouche de Job. Citation. Où étais-tu lorsque je posais les fondements de la terre, lorsque les astres du matin me louaient tous ensemble et que les enfants de Dieu tressaillaient d'allégresse? Fin de citation. Ces enfants de Dieu sont les anges que le Tout-Puissant avait appelés à la vie avant de tirer la terre du néant.
Toutes les autres créatures, les animaux domestiques et les bêtes sauvages, le grand arbre et le buisson, la pierre et le feu, mêlent leur voix à ce concert universel. Chacun, suivant son espèce et ses moyens, contribue à glorifier son Créateur. Notre Seigneur dit un jour à Sainte Meltide, citation, « Quand le prêtre, à la messe, arrive à ces mots, par qui les anges louent votre majesté, il unit sa louange à celle de la Sainte Trinité, il unit sa louange à celle que la Sainte Trinité se rend à elle-même et à celle que lui rendent les anges et les saints. Récite un pater à cette intention, ajouta-t-il, et offre-le en union avec la louange que je reçois du ciel, de la terre et de toutes les créatures. » Fin de citation. Il est évident que tous les êtres doivent louer Dieu, mais combien l'homme n'y est-il pas astreint davantage, lui qui a été créé dans ce but avec une âme raisonnable? David l'a parfaitement compris, et dans les cantiques enthousiastes où il exhorte son peuple, où il s'exhorte lui-même et la nature entière à exalter le Tout-Puissant, il nous a légué la plus belle expression de la louange. Il adjure le ciel et la terre, les créatures intelligentes et celles qui l'obéissent, car l'instinct, de bénir avec lui son Seigneur, qui est le leur. Et, afin que jamais les paroles ne manquassent aux générations futures, il a laissé aux prêtres et aux lévites ces psaumes admirables, en leur recommandant de chanter chaque jour la gloire du Dieu d'Israël. C'est à ces conseils que se conformaient les trois jeunes hommes dans la fournaise, lorsque, au milieu des flammes, ils invitaient toutes les créatures à bénir Dieu. Citation. Bénissez le Seigneur, ouvrage du Seigneur, louez-le et exaltez-le éternellement. Ange du Seigneur, bénissez le Seigneur, cieux, bénissez le Seigneur, etc. Fin de citation. Si les saints de l'Ancien Testament, si les Hébreux ont loué avec tant de zèle le souverain maître de l'univers, n'y sommes-nous point tenus à leur plus forte raison, nous, chrétiens, enfants de Dieu? Oublierions-nous que, suivant l'expression de saint Paul, citation, quand il nous a prédestinés à devenir ses enfants, c'est la louange et la gloire de sa grâce qu'il avait en vue. Fin de citation. En d'autres termes, Dieu nous a adoptés pour nous faire louer et exalter sa grâce et ses attributs, obligation rigoureuse à laquelle nous ne saurions nous soustraire sans péché grave. Il était bien pénétré de ce sentiment, ces pieux empereurs, ces saints rois, ces princes zélés qui ont bâti des temples magnifiques et établi des couvents où le Seigneur devait être honoré jour et nuit par le chant des heures canoniales. Elle en est bien pénétrée aussi, cette Église catholique, qui impose à tous ses clercs, dès que par le sous-diaconat ils ont contracté leur premier et irrévocable engagement, la récitation quotidienne du bréviaire jusqu'à leur mort. Loi qu'elle étend à presque tous les ordres des femmes vouées à la vie contemplative, aussi bien qu'aux moines et aux religieux. Tous s'y conforment avec joie et louent incessamment leur Créateur avec autant d'assiduité que de dévotion. Fin de citation. Portez la gloire du Seigneur aussi haut que vous pourrez, avait dit Jésus, fils de Sirac. Elle sera encore au-dessus et sa magnificence ne peut être assez admirée. Vous qui bénissez le Seigneur, relevez sa grandeur autant que vous pourrez, car il est au-dessus de toute louange. Fin de citation. David s'était écrié aussi, citation, « Louez le Seigneur dans son sanctuaire, louez-le sur le trône inébranlable de sa puissance. Louez-le dans les effets de son pouvoir, louez-le dans toute l'étendue de sa grandeur. » Fin de citation. Mais qui s'acquittera de ce devoir, puisque l'être de Dieu, incompréhensible et infini, est au-dessus de toute intelligence angélique et humaine? Quel conseil nous donnez-vous, ô prophète, et comment y répondre? Jésus-Christ y a pourvu en instituant la Sainte Messe, justement nommée « sacrifice de louange ». C'est à ce titre que l'Église l'offre au Très-Haut tous les jours et à toute heure. Quel hymne que ce Gloria a envoyé par une assemblée entière aux oreilles du Seigneur. Quel accord magnifique que ceux de la préface et du Sanctus. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu des armées. Les cieux et la terre sont remplis de votre majesté. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Fin de citation. Ce triple Sanctus que chantent les séraphins, cette Hosanna que le Saint-Esprit inspirait au petit enfant, ces cantiques sublimes que le ciel et la terre font entendre à l'unisson, les voilà répétés par des millions de voix dans des milliers d'églises,
Les voilà sur les lèvres du représentant de Jésus-Christ. Nous avons été créés pour glorifier Dieu, non d'une manière vulgaire, mais d'une façon infinie, car sa majesté est sans limite. Or, où trouver un cantique comprenant toutes les perfections divines et les exaltant selon leur excellence? Certes, aucune créature ne serait capable de le composer. Aussi, sommes-nous infiniment redevables au Seigneur de nous avoir fourni, dans la Sainte Messe, une action de grâce qui, suppléant à notre impuissance, rend à Dieu une louange digne de lui. Citation. Dieu, dit saint Laurent Justinien, ne saurait être mieux loué que par le saint sacrifice de l'autel, institué dans ce but par le Sauveur. Fin de citation. Voulez-vous donc l'honorer dignement? Vous n'avez rien de mieux à faire que de lui offrir. Le célèbre Molina explique magnifiquement la même doctrine. Citation. À la messe, le Fils unique de Dieu s'offre à son Père. Il lui rend la même gloire qu'il lui rendait sur la terre, et grâce à lui, le Seigneur reçoit une louange infinie. Fin de citation. Oui, sur l'autel, le Christ célèbre la divinité autant qu'elle mérite de l'être, ce que ni les anges, ni les saints, et encore moins les hommes ne sauraient faire. C'est pourquoi Dieu retire de chaque messe plus d'honneur que tous les anges et tous les saints ne pourraient lui en procurer. Saint Irénée rapporte qu'une vierge, animée d'un ardent désir de louer Dieu, disait sans cesse en soupirant, « Quand j'aurai 1000 langues, je ne pourrai assez louer le Seigneur. Quand j'aurai tous les hommes sous ma puissance, je ne pourrai assez exciter leurs ailes. Ah, que ne puis-je donner un esprit et un cœur à toutes les créatures ? Que ne puis-je créer un nouveau ciel et le peuple de séraphins ? Ô mon Dieu, si j'avais dans le corps et dans l'âme assez de force pour vous louer, vous exalter, vous adorer, moi seul plus que ne le font les cœurs angéliques et l'armée des saints, que je m'estimerais heureuse. » Ainsi son âme était dévouée de désir et son cœur débordé d'amour. Un jour, ou plus que d'ordinaire, elle était enflammée de ses saintes ardeurs, elle entendit une voix céleste lui dire « Sache, ma fille, qu'une seule messe ne réalise pas seulement la louange que tu veux me donner, mais qu'elle est infiniment au-dessus. » Vous voyez par là, âme pieuse, quel sacrifice est la sainte messe. Autre comparaison. Supposez qu'en l'honneur de la Sainte Trinité s'organise une procession, en tête de laquelle marcherait la bienheureuse Vierge Marie, suivie des 9 chœurs angéliques et d'innombrables troupes des saints, chantant d'une voix suave et accompagnant d'instruments harmonieux. Dieu en serait infiniment touché. Eh bien, que l'Église militante envoie, pour terminer cette procession, un seul prêtre qui offre le Saint Sacrifice, la Trinité en tirera 1000 fois plus de gloire. Ce pauvre prêtre, à l'autel, rendrait au Très-Haut un hommage infiniment supérieur à celui qui résulterait de cette pompe toute divine. Il y aurait, de l'une à l'autre, autant de distance qu'il y a eu du Fils de Dieu à la créature. Encore une fois, rendons grâce à Jésus-Christ de nous avoir donné un si facile moyen d'honorer la plénitude de la grandeur et de la puissance divine. J'insiste encore sur cette vérité. Voici comment saint Paul nous rappelle l'obligation où nous sommes de louer notre Créateur. Citation. Dieu nous a prédestinés pour nous rendre ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, afin que la louange et la gloire soient données à sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables à ses yeux et à son Fils bien-aimé. Fin de citation. Or, cette louange ne doit point rester stérile. Il faut qu'elle se traduise par des témoignages publics de reconnaissance. Il faut que la dette immense que nous avons contractée envers la divine miséricorde soit payée, et le seul saint sacrifice de la messe nous en fournit le moyen. En effet, on ne saurait trop le répéter, pour louer un être quelconque, il est tout d'abord nécessaire de connaître ce qui, en sa personne, est digne de louange. Si je sais de lui beaucoup de bien, je puis facilement en dire. Il en est de même quand il s'agit de Dieu. Les anges et les saints connaissent d'une manière inexprimable, mais incomplète encore, les perfections divines, bien qu'ils les contemplent face à face. Ils auront donc beau les louer, ils resteront infiniment au-dessus de ce qui lui est dû. Seul, le Verbe fait chair connaît parfaitement l'excellence de la divinité. Aussi, n'y a-t-il qu'à lui à honorer dignement son Père. Mais jamais cet honneur n'est aussi parfait qu'à la Sainte Messe. Encore une remarque. La louange de Jésus est offerte au nom des assistants, dont elle répare surabondamment les omissions.
Les assistants sont invités eux-mêmes à l'offrir de leur côté comme leur bien propre. Fidèle à cette doctrine consolante, un homme dit dans son cœur « Mon Dieu, je vous offre la louange de votre Fils, que votre Fils vous décerne sur l'autel. » Il rend au Tout-Puissant des hommages plus élevés que ceux des anges et des saints. L'enseignement que j'expose ici est bien celui de l'Église. En voici la preuve. Le Père Jean des Anges écrit, citation, « Quand je pense au sublime mystère de la messe, il me semble que la gloire rendue à Dieu par l'oblation de son Fils est si haute que ni les anges ni les saints ne peuvent lui en procurer une semblable. Songez qu'en présentant au Père éternel son Fils devenu homme et la louange de cette victime sainte, le prêtre et ceux qui entendent la messe lui offrent un Dieu, ce qui est sans conteste un don infini. » Nous lisons dans les révélations de sainte Brigitte que les cieux louent Dieu pendant la messe. Citation. Un jour que j'assistais au saint sacrifice, dit cette grande sainte, il me sembla après la consécration que le soleil et la lune, toutes les étoiles, toutes les planètes, tous les cieux dans leurs évolutions, chantaient de la voix la plus douce et la plus retentissante. À eux se joignait une foule d'innombrables de musiciens célestes dont les accents étaient si mélodieux que je renonce à en donner la moindre idée. Les cœurs des anges descendaient, contemplaient le prêtre et se prosternaient devant lui avec respect, tandis que les démons fuyaient, tremblant de frayeur. Une multitude de saintes âmes étaient présentes. Elles louaient Dieu avec ses purs esprits et rendaient à Dieu, à l'agneau divin, l'honneur qui lui est dû. Fin de citation. Les anges et les saints assistent donc à la messe et ils unissent leur voix à celle de la nature entière. Vous êtes au milieu Dieu, âme pieuse, et vous les aidez à exalter le Seigneur. Toutefois, ce n'est pas cet hommage qui donne à la messe sa puissance infinie. Citation. Ce sacrifice est si majestueux, si agréable à Dieu, dit un pieux auteur, que toutes les vertus, toutes les bonnes œuvres, toutes les bénédictions, toutes les glorifications du ciel et de la terre ne peuvent lui être comparées. Jésus étant la victime et le prêtre, la louange et la gloire qui proviennent d'une telle source surpassent celles de toutes les créatures. Fin de citation. Le père Malbobitz ajoute, citation, « Toutes les fois que le sacrifice de la messe est célébré, les sentiments du saint amour, semblables à deux vagues, s'émeuvent dans l'océan de la divinité et vont du père du fils au père et du père au fils. » Fin de citation. La sainte messe sert ainsi de contrepoids à tous les scandales qui s'élèvent journellement vers Dieu. Sans elle, le monde ne subsisterait plus. Isaïe nous apprend en effet combien nos forfaits irritent le Seigneur. Citation. Que ferais-je plus longuement ici où mon nom est sans cesse offensé? Fin de citation. Conclusion. Je me retirerai de ce monde, je l'abandonnerai à l'ennemi, je le détruirai et le précipiterai avec ses vices en enfer. Et hélas, Dieu n'aurait que trop de motifs d'accomplir sa menace. Un seul péché mortel, un seul blasphème serait déjà plus que suffisant. Pourquoi donc cette patience? Qu'est-ce qui le retient, le Seigneur? N'hésitons pas à répondre que c'est uniquement le saint sacrifice, car si la divine majesté est sans cesse insultée par les impies, elle est continuellement honorée d'une manière digne d'elle par le Sauveur. L'hommage du Christ et de ses prêtres l'emporte sur toutes les souillures et couvre tous les crimes. Soyez donc éternellement bénis, ô bon Jésus, pour cet immense bienfait. Mais comment vous prouver notre gratitude autrement qu'en assistant avec assiduité à votre mystique immolation, en vous rendant à vous-même ce don parfait que nous tenons de vous? Puis-je vous persuader, ô chrétien? En vous, Jésus, venez à mon aide, inspirez à tous les cœurs une dévotion sincère, afin que notre zèle s'accroisse de plus en plus, et que nous vous offrions chaque jour avec une piété plus fervente ce divin sacrifice.